Launch authorization received. Hello les gens, c'est Takuo, on est lundi, alors c'est un nouvel épisode du Let's Play de Star Wars Republic Commando, épisode 5 aujourd'hui. On s'est enfin barré de cette planète de merde de Geonosis, alors autant vous dire que là je suis survolté pour continuer l'aventure. On arrive dans un vaisseau qui, il y a deux semaines apparemment, a disparu, on a perdu contact totalement avec les mecs qui sont à l'intérieur. Et nous, comme par hasard, on est la putain d'escouade qui doit aller sauver ces gens ou voir ce qui s'est passé. Alors autant chaque vous dire qu'on va s'en prendre plein la gueule. Allez, on écoute ce qu'ils vont dire. Votre objectif principal est de retrouver les données de l'enregistreur de vol dans la banque de données arrière. Rejoignez ensuite votre équipe pour exfiltration. En tant que chef d'escouade, vous pouvez être appelé pour assister vos coéquipiers. 07 doit retrouver les rapports des radars dans la banque de données Tribord. Delta 4-0 se chargera de la banque de données Babord. Se manifeste. Ok. Soldat, j'ai perdu le contact avec le conseiller. Essayez de le contacter. Pas de signal ici, chef. À vous. Aucune réponse de mon côté, chef. À vous. Négatif, Delta 3-8, 4-0, à vous. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ça peut pas être grave. Hein, chef? Mais non, 4-0. Le conseiller nous contactera quand la communication sera rétablie. En attendant, nous avons une mission à remplir. En avant. Ben, je vais où, moi? Ok. Par là, sur... Oh, oh non, c'est pas... Non. Sauter! Il y a des minocs dans le lance-torpille. Ah oui, donc bon, évidemment... Un peu exemple sur la discipline de la République. Attendez, je vais parler Soda, après qu'il ait parlé, rapport. Parce que sinon... Des signes de vie? Sans ici 07, rien à signaler. Ici Delta 4-0, pas de signes de vie. Ici 6-2, à part des minocs, rien à signaler. Il y a de quoi désespérer. Si les câbles sont rongés par la vermine, ce vaisseau ne doit plus valoir grand-chose. Oh. Ici 6-2, j'ai des interférences sur mon visuel. Attendez, non, c'est passé. Bizarre. Bref, ta gueule, je parlais. Donc je disais, oui, évidemment, moi je dis qu'on est lundi, mais... Je capte encore mais ta gueule plus fort cette fois-ci. Je vois presque plus rien. C'est pas vrai. 6-2, Delta 6-2, vous m'entendez? Tu vas me laisser causer. Lâche-moi, ta boulon. 6-2. Soldat. 6-2 ne répond plus. L'un d'entre vous capte-t-il son signal? Répondez. Négatif, chef. Je ne vois rien sur mon radar, chef. C'est bon, personne ne parle, je peux ouvrir ma gueule. Oui, donc. Évidemment, je dis qu'on est lundi. Mais en vérité, je tourne cette vidéo un dimanche après-midi. Et autant vous dire que ce week-end a été horrible. C'est le week-end de la canicule. Et... Vous êtes un soldat. Ah, mais c'est pas vrai! Quelle chance! Que s'est-il passé ici? Je sais pas trop, j'étais dans les couloirs de maintenance quand j'ai entendu des tirs de blaster. Le temps que j'arrive sur place, tout le monde était mort. Donc, vous vous êtes caché dans la salle des torpilles? Non, j'essayais de lancer une torpille. Et mon cul, c'est du jambon? Mais maintenant que vous êtes là, flipette. Ça n'est plus nécessaire, non? Attention! Les secours sont arrivés! C'est quoi ce saut? Oh putain. Quelle perte pour la République. Enfin, je disais qu'on était dimanche à l'heure où je filmais cette vidéo. Et qu'il a fait horriblement chaud ce week-end car... Pour moi, mais c'est pas que pour moi, je pense que ça a été horrible pour tous. Mais moi je suis quelqu'un qui aime le froid, enfin j'apprécie le froid plus que le chaud. Alors là c'est horrible, je peux rien faire. Hein. Écoutez, on les laisse... Oh putain, c'est quoi ça? Ah mais ça fait rien. Ces trucs ont essayé de me trouver le crâne. Je crois que j'ai trouvé ce qui est arrivé à 6-2. Une espèce de droïde de récupération. Attention aux interférences. Oh my god. Hacker, continuez de chercher 6-2. Je ne veux pas tuer squad de 3 hommes. Ah mais y'en a combien? Le petit gun, ça marchera peut-être mieux. Y'en a pas d'autre. Putain, j'ai déjà presque plus de vie. Putain, je vois rien. Voilà. Ah bah oui, ça marche mieux, en effet.
Oui, donc, week-end hyper chaud. C'est-à-dire que... On sait pas sur quoi ils tirent, les gens. C'est-à-dire que vous levez ne serait-ce qu'un pouce et vous suez comme des porcs. On a les joueurs morts par ici, soldats. Il doit y avoir une quelque chose de plus dangereux que des droïdes à bord de ce vaisseau. Ceux qui ont volé ce vaisseau ont changé la décoration, soldats. Et là, en faisant cette vidéo, je bouge par des débris. Pas seulement un pouce, mais tous les doigts de ma main pour pouvoir affronter ces putains d'ennemis. J'aurais peut-être besoin de faire un peu de piratage. Et je suis. Je sais, c'est élégant. Les restrictions d'accès. Mais... Ah. Ah mais putain, y'en a combien? Lâchez-moi. Non mais c'est pas vrai, dès le début. Tout va bien? Non, ça va pas. Ça commence déjà. C'est quoi ces bêtes de merde? Les trucs, c'est encore plus petit que les Geonosiens, ça va me faire encore plus chier. Non. Cette fois, je me fais pas avoir, je sais qu'il y en a par ici. Je sais pas où en fait. Ah. Ah là. Voilà. Bon, la suite, on s'en fout. Je pense qu'il y en a. Ah. Ces trucs ont essayé de me trouver le crâne. Soldat, je crois que j'ai trouvé ce qui est arrivé à 6-2. Une espèce de droïde de récupération. Attention aux interférences. Hacker, continuez de chercher 6-2. Mais tout à l'heure, il n'y en avait pas ici. Quoi de 3 hommes. Vas-y, viens que je t'ai. Non, bah c'est bon. Mais... Go, go, go! Bien joué, mon gars. Oh là, on a des troopers morts par ici, soldat. Il doit y avoir quelque chose de plus dangereux que des droïdes à bord de ce vaisseau. Ceux qui ont volé ce vaisseau ont changé la décoration, soldat. L'accès à la banque de données arrière est bloqué par des débris. J'espère que vous aimez ramper, chef. La seule voie possible passe par les conduits d'accès des droïdes. Formidable. Vous aurez peut-être besoin de faire un peu de piratage. Putain de script, là, je peux... Voilà. Il faut juste que j'annule les restrictions d'accès. Ceux-là sont bons pour la casse. Oh my god, putain. Je vais reprendre ma vie. Oh là là, je crains le pire avec ces putains de monstres. En fait, je dis putain tout le temps dans cette vidéo. La vidéo précédente, je disais souvent oh my god, et ben là, ce sera putain. Allez, fais pas genre là, bien tu tapes sur un seul bouton. Les conduits débouchent sur la banque de données Trevor, juste là où je suis. Ok, ne bougez pas. Je vous rejoins. Là, je peux pas bouger. Ah. Je vous vois sur mon radar, chef. Ouais, c'était une petite sauvegarde. Vous êtes tout prêt. Quelle est votre position, 07? Je suis devant la banque de données Trevor. Vous devriez me voir sans tarder. Ah bon? Oh, une tête. Ouais, on peut même pas la faire bouger, c'est nul. Le touche à tout. Ah, vous voilà. Ah. Donnez-moi une minute et je vous rejoins. Ok. Juste le temps de pirater ça. Il y a une musique inquiétante là. Attendez. Ah, je peux pas l'aider, putain. Enfin, il y a une vie, c'est normal. 07. Non. 07, vous m'entendez? Ah, c'est ça, les 32 Shan. Ah oui, dans la. 6-2, rejoignez-moi. Dans la... Et soyez prudent surtout. Je crois qu'il y a des 32 Shan. Oui, voilà, mais c'est ce que j'avais dit. Tu me laisses pas parler. Rejoignez-moi. Aussi. Su 3-8. 4. Attention à vous. Oh putain, c'est quoi ça? On se retrouve. Bah, c'est les 32 Shan. Ces lézards sont trop gros pour passer dans le puits d'accès des droïdes. Ils ne mourront jamais. Putain, ils m'ont fait peur. Oui, je disais donc dans la vidéo précédente, comme un gros noob qui s'y connaît pas, j'avais... Je m'étais complètement gouré sur le nom de ces mecs. Bon, je vais le laisser tranquille, l'autre. Dit-il en tirant dessus. Oh, il y a un truc là.
Ah voilà, je m'étais gouré, j'avais dit... Enfin, j'avais dit de la merde. Et en fait, oui, c'est bel et bien des 30 Doshan. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des esclavagistes chasseurs de primes aussi, ça dépend. Ce sont des petits escrocs. En quelque sorte. Putain. Alors ça, c'était presque prévisible. Pourquoi ça brouille là? J'aime pas ça. Oh putain! Non, qu'est-ce que... Mais où il est? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Le truc il est au-dessus de moi, je peux pas me lever comme ça, enfin. Putain! Ah, je sens que je vais aimer ces petits droïdes de merde. Tiens, celui-là, alors lui, il va s'en prendre une tirée. Le script, toujours. Voilà, alors là, mon gars, on me l'a fait pas deux fois. Putain de merde, quoi. Maintenant que je sais aussi qu'il y a... Alors là aussi, script. Blam, 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 blam. Putain, j'ai réussi. Ma chaise qui grince, je sais pas si vous l'entendez. Mais moi je l'ai entendu en tout cas. Putain, j'ai plus beaucoup de vie. Oh putain, il me fait peur ce con. J'ai plus trop. Oh putain. Oh putain, il y en a deux. Quel cul. Oh là 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 là, ils ont l'air coriaces ces merdes. En plus, avec les petits droïdes d'aubesque, là. Ah, des munitions. Oh là, bah, j'en ai plus beaucoup, en plus. Merde, j'en ai déjà un, mec. J'aurais dû utiliser ces grenades-là. Non ! Rira bien qui rira le dernier. Oh, putain ! Oh, mon Dieu, il m'a fait peur. Eh, ça pue. Ouais, ah putain, j'en étais trop sûr. Tu peux fuir la grenade, tu te la prendras dans le cul quand même. Vous devriez comprendre que je suis bien plus terrifiant que vous. Ouais. Je suis pas sûr, hein. Oh, oh putain. Sniper, sniper, vite. Ah ouais, écoute, je crois que c'est un script. Je croyais que plus personne n'utilisait d'armes à projectiles. Eh bien oui, c'était un script. Je pouvais pas le toucher avant. Il me faudrait un truc de vie. Pardon, je ne suis pas arrivé. Attends. Mais je m'en fous. Allez, on s'en fout. Retraite. Oui, chef. Oh putain, c'est quoi ça? Oh merde, soldat, pardon. Il y a des mines, n'oubliez pas, elles ont des capteurs de mouvement. Je viens de le tuer, pour je crois. Désamorcer ces mines, il faut s'en approcher en rampant sous les capteurs oh, putain. De mouvement. One shot. C'est quoi ça? Une arme énergétique en forme de mitraillette. Ah, c'est je cool, ne savais là. Pas que les lézards étaient nostalgiques. Il faut s'accroupir, qu'il a dit. Je crois qu'elle va exploser. Non? Je ne peux pas la désamorcer. Ouf. Oui, il y a un truc de vie. Fallait s'en douter, hein.
fait mal ça. Oh putain, il sort ses armes lui. Non, 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 non. Oh putain, c'était à temps. Allez, on va faire le truc. Non, on va maintenir. Putain, j'ai que des grenades de double. Headshot. Putain, y'en a qui arrivent, mais allez, c'est le moment. Rien de plus facile. Si seulement Hacker était là, c'est sa spécialité. Je crois que le journal contient tout ce qui s'est passé depuis la disparition. Allez. Ça y est, j'ai le journal de bord. Ça, je me sens ça. Oppressé, j'ai horreur de ça. Les ah, je suis en feu. De la République. Je ferais mieux de ramener ça. Ah, faut que je me cache là. Voilà, c'est bon, je m'en fous. Je suis en train de me soigner, donc ça pourra pas me faire mal. Vas-y, viens. C'est plus efficace, ces armes-là, j'ai l'impression. Sympa la pause. Je dois pouvoir le connecter à la banque de données arrière. Enfin, la pause. Il est juste mort, hein. Rien d'inquiétant. Allez. C'est une épave. Comment ont-ils pu faire autant de dégâts en si peu de temps? Oh là ouais. Les tourelles de défense sont actives. Au moins, elles sont sous notre contrôle maintenant. Si les lézards parviennent à pirater la console, on se retrouve dans le sale drap. Il faut l'empêcher de prendre le contrôle des tourelles. Ah, il a réussi à les pirater. Alors moi par contre, je suis quand même un clone surentraîné. Il me faut 10 secondes, alors que lui, il lui a fallu 2 secondes. Hein. Bon, hein. C'est un Trandoshan, le truc, c'est un peu con quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Bon travail, Trooper. Oh là. Montez la garde dans cette zone. Il est dommage que seuls des soldats d'élite aient des implants pour le Bactar. Je peux avoir un coup de main? Putain, il y en a combien? Moi je tire alors que j'ai même pas rechargé. Je suis un ouf. Ah, je veux le même casque. Tu vas où comme ça? Ouais, c'est vrai. Ça te suffit ça ou t'en veux une autre? Oula. C'est ça. Fuyez. Alors là, j'ai envie de dire... Beau gosse. Oh putain, il y a une tourelle. Oh putain, il y a... Merde. Soldats, tuez d'abord ceux qui ont des couteaux. Escouade Delta, rejoignez-moi. Vous me recevez? Non. Ils te reçoivent pas. Enfin, ils ne me reçoivent pas. Bon, là, les tourelles, j'ai pas de truc pour les... Putain, ils font mal, hein. Ah bah, c'est bon. Il va y en avoir une autre, quand même. Oh la vache. Faut que je fasse gaffe. Ah bah voilà. Il me faudrait une station de fille. Ça serait bien. Le deuxième groupe de tourelles est inactif. Je pourrais sans doute les utiliser pour me couvrir. J'ai eu peur. Ah bah merci. Il suffisait de demander. Oula. Tout le monde
La musique a changé. Venez me chercher. Les salopards sont partout. Non mais je suis... C'est vraiment con. Je suis là. C'est bon. Une fois que j'aurai pénétré dans la base de données, je rassemblerai les squads. Je suis en stress total. C'est assez stressant ce niveau, je trouve. C'est avec ces robots de merde là. Et les machins qui te courent après avec leurs pauvres couteaux. Bah, je suis désolé, moi. Ça me fait stresser. J'espère que cet enregistreur de vol pourra nous dire comment ces crétins de lézards ont pris le contrôle d'un vaisseau de la République. Oui, enfin, crétin. Bon, j'ai dit qu'ils étaient cons, moi, tout à l'heure, mais... Ils sont peut-être pas si crétins s'ils ont réussi à le faire, hein. Soldat, si vous m'entendez, je me dirige vers le point de rendez-vous. Soldat ? Putain, et en plus, on est vraiment tout seul, quoi. Oh putain ! Mais ça va de me faire peur comme ça, toi ? Je dois apprendre la politesse. Enfin, y a aucune question de politesse là-dedans, mais... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, bah commencez, on a encore le temps. Largement. Dans la section d'équipement tribord. Rendez-vous aux coordonnées prévues. Bien reçu, chef. J'y vais tout de suite. Quel bazar. Oh putain, il y a une tourelle là-bas. Oh putain, mais. Ah, il y a un petit machin. Oh, il s'est poutré tout seul. Toi là-bas, si tu venais plus près, ça m'arrangerait. Non ! Oh la vache ! Je défonce la tourelle. Allez. Je me suis dit... Vu qu'il est là, faisons-lui comprendre... Il n'est pas le bienvenu sur ce vaisseau. Oh bah putain, est-ce ? Alors là, oh merde. C'est le rien. Oh putain, j'ai chaud. Ça grouille de Trandoshan par ici. Bon, parlez pas. Oh la vache! 3-8. Oh non! Répondez 3-8. Cette fois, Delta ne répond plus. Oh la vache, putain. Il était tout seul et il a réussi à me tuer. Bah, maintenant, je saurais qu'il y en aurait un derrière, en fourbe. Je suis dans la section d'équipement tribord. Rendez-vous au corps de l'équipement. C'était presque sans faute, là. Bien reçu, chef. J'y vais tout de suite. Quel bazar. Je tire mal. Oh putain de merde. Je me tire dessus. Reste-toi, espèce de droïde, t'es derrière le machin, t'es pas censé te toucher. Voilà. De Trandoshan par ici. Bon, parlez pas. Alors là, c'était quand même de toute beauté, faut l'avouer. Je l'avoue, j'ai fait quelque chose qui est magnifique. Putain, j'ai eu chaud encore. J'ai eu chaud encore. Mais je suis encore en vie. Putain. Oh, le headshot.
il fait du bien. Non, oh, putain. Voilà. Ça a pas suffi. Voilà. Tu l'as mangée bien profonde, celle-là. Les lézards ne sont pas restés inactifs. À mon tour de mettre le bazar. Avec plaisir. J'étais en train d'appuyer pour tourner, non, mais j'appuie sur la touche. OEI, objet explosif improvisé. Merci de me le dire parce que j'aurais jamais deviné. Oh, l'esquive! Ok, y'a pas de tourelle. Encore des récupérateurs, je hais ces droïdes. Putain, mais c'est vrai que je les hais. Oh bah, c'était beau ça. Oh putain, oh l'enculé. Alors lui. Vas-y, viens. Ça a rien fait. Lâche-moi. Non. Oh, mais putain, comment on peut le tuer, ce connard? Mon dieu. On se calme. Le mec, il vient de l'autre bout, j'arrive même pas à le tuer. Encore des barils explosifs. OEI. Objet explosif improvisé. J'ai eu trop de mal à le toucher. Encore des récupérateurs, je hais ces droïdes. Putain, mais... Casse les couilles, c'est vrai. Viens. Oh, leur plat. Alors là, je te fais ta fête, mon gars. Si, c'est bon. Là, vous êtes que deux avec des armes. Oh, putain. Oh, je l'ai eu comme... Comme un chef. Répondez. Quoi ? L'espoir Delta ne répond plus. C'est pas possible. Je perds un temps monstre à cause de ces cons. Des barils explosifs. OEI. Objet explosif improvisé. J'ai plus de balles de snipe en plus. Encore des récupérateurs. Je hais ces droïdes. Oula, bah alors là. Carton plein. Vas-y, viens. Souras. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres grenades? Oh, mais oui, j'ai ces grenades. Oh, oh, putain. Tourelle. Et c'est quoi ce gros machin, là? Delta 40, je rencontre une forte résistance. Je serai peut-être en retard au rendez-vous. La vache, la vie que j'ai. Pas d'inquiétude, Hacker, je vous attendrai. Putain, j'ai eu chaud, une barre de vie. Moi, j'ai rechopé des vies. Putain. Oh putain. Là, c'est tendu du string. Mais quelque chose de bien. Oh putain! Il est pas mort! Il est mort! Non, change d'arme. Non! 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 Oh putain de merde! Oh merde! Oh merde! Je suis en stress, hein? Je suis en stress. Oui! 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 Pourvu que Nitro ait atteint la banque de données Babor. Putain. J'ai plus de vie. Il me faut un truc de vie. Qui est mort partout, ça sent la merde là. C'est calme, méfiez-vous. Pourquoi il y a un truc de truc à exploser? Une embuscade! Oh!
Il a renvoyé la grenade. Putain, l'enculé. Parce que je suis mort, c'est pour ça peut-être. Pourvu que Nitro ait atteint la banque de données Babor. Putain, il a renvoyé une grenade quand j'y pense. C'est calme, méfiez-vous. Allez, tombez, grenade. Une embuscade! Je suis un con! Un putain de gros con! Pourvu que Nitro ait atteint la banque de données. Regardez les vies que j'ai! Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse contre 5 mecs comme ça là? Il leur faut 50 balles pour les tuer. Une embuscade! Ah, t'as pas eu le temps de l'envoyer là, hein? Oh putain, c'est beau ça. Plus qu'un. Oui. Oui. Pardon. Avec cette folie. Oh putain, c'est pas fini. Il y en a deux. Et voilà. Il me faut de la vie, s'il vous plaît. On avance encore 2-3 minutes et après on arrête. Gardez à l'esprit que les trando. Parce que là, je sens que je crevais comme un con plein de fois, donc ça sert à rien que je continue pour me ridiculiser. Il faut que je reprenne mon esprit et que je revienne plus fort l'année prochaine. Ah bah oui, bah alors là vous allez attendre longtemps. J'ai le temps de m'entraîner. Non, la semaine prochaine. Putain, ça pue. Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Putain. Oh non. Ah, la fiche de merde, allez, on se soigne. Putain, j'ai trop peur. Enfin, pas peur, mais... Je vais crever, j'aime pas ça. Juste un connard. Mais ils vont... On se fait flasher, là on fait les moins les malins. Hein. De toute façon, j'ai plus que ces grenades de merde. Ouverture de la porte. Mine de proximité Trando, ça craint. Mais quel con quoi. Oh, enculé. Qu'est-ce que vous avez dit, chef? Enculé, j'ai dit, c'était un enculé. C'était juste des parasites. Allez, casse-toi, casse-toi! Putain, mais... C'est quand même énorme, cette arme. Oh, bah alors, lui... Putain, c'est trop stressant. Allez. Barricade. Ces lézards commencent vraiment à m'énerver. L'arme élégante d'une époque civilisée. Ah, je veux ça moi aussi. Ouais, bah les temps ont changé. Non. Je le veux moi. Putain, c'est... Non. Comment ça? Retraite. Oui, chef. Comment tu me suives là-dedans, toi? Attendez, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention! Il nous faut des renforts! Des soldats d'élite! On a vraiment besoin de vous! Crève! Espèce de monstre! Oh la vache, c'est quoi ce machin? Robin,
Oula. Répondez 3-8. L'espoir Delta ne répond plus. Bon, je défonce ce truc. Et on arrête. Parce que là... Là, trop, c'est trop. Je suis désolé. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre, là. Je me fais tuer à chaque coup. Retrait. Je suis peut-être trop nul, oui, mais... Chef. Ah, non, je... J'ai déjà eu, on casse les couilles dès le début. Voilà. Attends, mais là-bas, il n'y avait pas un... En fait, en passant par là, je n'étais pas obligé de détruire là, mais... Je me rappelle pas s'il y avait un truc de vie ou pas. Parce que là, j'en aurais bien besoin. Non mais c'est bon. J'ai appuyé sur F mais ça avait pas marché. Alors comme un con, j'ai changé de touche. Putain, il y a une mine. Il y a une mine, espèce de débile. Bon, cette fois, on retourne pas en arrière. Change. Retraite. Oui, chef. Oh, nul. Ah, tu peux pas, hein. T'as pas l'air d'un con, là. Mais il est où, l'autre? Ok, il y en a qu'un, cette fois. Tant mieux. Attention! Il nous faut des renforts! Des soldats d'élite! On a vraiment besoin de vous! Crève! Espèce de monstre! Ah! Il est là, ce con. Mais c'est pas vrai, là. L'escouade Delta ne répond plus. J'ai tout mon bouclier et je crève. Non, je recommence une fois. Et après, je vais dire... non, bah tant pis, je recommence encore une fois, etc. Retraite. C'est toujours comme ça, de toute façon. Oui, chef. Cette fois, il y en avait en fait bien deux tout à l'heure, c'est juste que... Attention! Il nous faut des renforts! Des soldats d'élite! On a vraiment besoin de vous! Crève! Espèce de monstre! Ah! La grenade est hyper... Elles sont vachement puissantes. Je viens de tomber sur un trando en armure lourde. Rien à voir avec un esclavagiste. Compris. C'était sans doute leur troupe d'assaut blindé. L'élite Trondochat. Il paraît qu'ils utilisent un fusil lourd LS-150 ACP à répétition. Exact. Ok, je peux pas garder les deux, c'est chiant ça. Bon, allez. Bon, c'est quand qu'il y a la sauvegarde? Ah bah... J'approche du point de rendez-vous. Voilà. Je vous reçois, chef. Bon sang. Satané droïde. Allez, on va au point de rendez-vous. Non, en fait, je pense arrêter ici, moi. Mais je vais m'arrêter là. On va se mettre en haut. Ça recommencera en haut. Non, je recommencerai en haut quand on... Je relancerai le truc. Donc, ça être beaucoup stressant pour moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Là, j'avoue, les Trondochats niveau course, vous n'avez pas énormément de balles. Enfin, bon, bref, voilà quoi. Ça a été assez marrant, je trouve. Moi, je me suis bien fendé la poire. Donc, eh bien, je vous dis à lundi prochain pour... de nouvelles aventures pour me voir encore galérer comme un con. Et oui, bah, c'est pas drôle, hein, faut pas rire, hein, parce que je suis nul, c'est pas drôle. Hein. Bon, bref, portez-vous bien.
à la prochaine et j'ai juste un mot à vous dire. Peace! Allez, on va capturer le camp. Ne dites pas que je fais pas l'objectif, c'est pas vrai. Donc si j'en tue un, c'est bon. Oh, bah alors là, on peut pas faire meilleur kill photo.